Yo. Alors on m'a demandé du coup, voilà, je vais expliquer comment overclock sa carte graphique, mais pas de la manière habituelle en mettant un overclock statique de la core clock, en utilisant la courbe de fréquence voltage qui peut apporter un meilleur overclock, mais pas pour tout le monde, seulement pour les cartes Nvidia génération Turing, c'est-à-dire les RTX 2000 et quelques et 1600 et quelques, et Pascal. Pascal, c'est les GTX 1000 et quelques. Pour tout ce qui est autre chose, en dessous, par exemple les GTX 900, les GTX 700, etc., etc., ça sera pas mieux. Rester sur un overclock avec un offset de core clock classique, ça ira très bien. Et les cartes AMD, j'en ai aucune idée, donc démerdez-vous. Bon. Alors qu'est-ce qu'il va vous falloir pour overclock votre carte graphique déjà? Il va falloir des logiciels de bench. Sur cette vidéo, je vais utiliser que Heaven parce que j'ai un peu la flemme. Mais si vous voulez faire un vrai overclock de votre CG, bien, qu'il soit stable tout le temps, vous n'utilisez pas un seul benchmark, vous utilisez plusieurs benchmarks. Vous prenez Unigen Heaven, vous pouvez prendre Unigen Superposition, vous pouvez prendre 3D Mark Time Spy, 3D Mark Fire Strike. Fur Mark, c'est peut-être pas la peine. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est utiliser un seul benchmark pour commencer l'overclock, c'est-à-dire utiliser, admettons, Heaven pour faire votre overclock et tout, mais une fois que vous avez trouvé votre overclock sur Heaven, faites d'autres stress tests. Faites un coup de 3D Mark, faites un coup de superposition, faites un coup de machin, et vérifiez la stabilité sur plusieurs benchmarks, et aussi vérifiez la stabilité sur les jeux, parce que chaque benchmark et chaque jeu va taper dans la CG d'une façon un petit peu différente. Et c'est pas parce que mon OC sera stable sur Heaven là, qu'il sera stable sur tous les jeux et sur tous les benchmarks. Et même c'est pas parce que mon OC il est stable sur tous les benchmarks qu'il sera stable sur tous les jeux. Je peux avoir un OC qui est stable sur tous mes benchmarks, tous mes jeux, pas de souci. Et puis un jour je vais lancer, je sais pas, World of Warcraft, puis je vais arriver dans une zone et ça va crash parce que mon OC de CG il est mal fait. Globalement, faites votre OC, faites plusieurs benchmarks. Ensuite, si vous voulez être sûr, vous enlevez encore un petit coup. Ou alors vous jouez et puis quand vous voyez un crash en jeu, bah vous baissez à ce moment-là, peu importe. Bref. Pour OC, du coup. Et puis oui, vous avez besoin de vos benchmarks et puis vous avez besoin d'MSI Afterburner pour faire votre OC. Et GPU-Z, c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre les valeurs des mesures là, mais je préfère la présentation de GPU-Z, donc j'utilise GPU-Z. Voilà, pour regarder un peu ce qui se passe. Bon. Déjà, vous arrivez sur Afterburner. La première chose que vous allez faire, toujours, power limit, maximum, appliquer. C'est simple, pas besoin de se fatiguer. Ensuite, core voltage, pareil, à fond, on applique, ça fera pas grand-chose, c'est pas grave, on fait. Ok. Ensuite, on peut commencer par la memory clock, parce que la memory clock, c'est facile, ça change pas. Il suffit de mettre un offset. Donc, du coup, pour l'OC, vous allez... Vous mettez plus 50, vous appliquez, vous regardez si Heaven y crash. Ça crache pas, super, je mets 100, vous appliquez, ça crache toujours pas, super, je mets 150, etc., etc., etc. Moi je mets 800 parce que je sais, j'ai déjà overclocké ma carte, je sais que 800 ça marche, et je vais pas aller plus loin parce que ça va crash, ça va faire crash mon OBS, bon, bof. Donc vous vous amusez à faire ça pour la memory clock. Bon voilà, une fois que vous avez trouvé votre valeur, vous la notez sur un petit notepad et tout, et vous vous remettez à zéro. Donc vous êtes remis à zéro, on va pouvoir faire la core clock. Du coup, l'ancienne méthode pour la core clock, ça aurait été de mettre là 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et de tester petit à petit. Ce qui est bien, ce qui fonctionne, sauf que maintenant, depuis les deux dernières générations, vous avez ce qui s'appelle le GPU Boost 3.0 et 4.0. Qui va automatiquement baisser ou augmenter la fréquence de votre carte graphique selon la température, la puissance, le voltage, etc. Et si vous voulez accéder à la courbe, du coup, vous vous mettez sur Afterburner, vous faites CTRL F, et CTRL L, CTRL F, pardon, ça ouvre la courbe. Courbe qui va vous dire, ça va être un peu compliqué à voir, je vais peut-être essayer d'agrandir un peu, mais vous avez un petit réticule là, en pointillé, vous verrez, vous avez un petit réticule en pointillé qui indique où est-ce que vous en êtes sur la courbe actuellement, qui est plutôt pratique. Et du coup, globalement, ça, c'est la courbe que votre carte graphique va respecter quand, en fonction des voltages, des températures, voilà. La seule chose qui est à noter,
C'est que quand vous avez plusieurs points qui font une ligne comme ça, l'algorithme il va aller forcément sur le point le plus à gauche. Okay? Et c'est important de savoir ça, parce que en allant le plus à gauche comme ça, vous pouvez voir en bas, c'est le voltage. Du coup, là je suis à 1,037 volts, je peux le vérifier là, je suis effectivement à 1,037 volts, et je suis à 1890 MHz. J'aimerais bien augmenter tout ça, donc ce que je vais commencer par faire. Admettons que je veuille overclock ma carte graphique à 2 GHz. Montez pas autant de... Ouais, je vais faire comme ça plutôt. Mettez pas beaucoup d'un coup, parce que ça peut mal se passer. Hop, donc vous mettez plus 44 là. Sachant que quand vous allez monter là, tout ce qui est à droite va monter aussi quand vous allez appliquer là. Donc vous allez appliquer, tout monte. Du coup, ça va se mettre là. Et mon réticule, je vois qu'il est là effectivement. Et je peux confirmer sur ma GPU clock qu'effectivement j'étais à 1890 et je suis passé à 1920 parce que j'ai monté un peu. Et hop, ça a pas crash. C'est qu'a priori ça va. Et ok. Alors maintenant j'ai deux choix. Soit j'augmente encore la fréquence, sachant que ça va crash. Au bout d'un moment, hein, pas forcément tout de suite, mais soit j'augmente la fréquence, soit je baisse la tension. Ce qu'il faudra faire, c'est les deux. Globalement, commencez par monter la fréquence tant que ça crache pas. Donc vous pareil, vous montez petit à petit votre 1.37 là où vous étiez, hop, vous appliquez, vous regardez si ça crache, vous remontez un peu, vous appliquez, etc. Moi je vais monter un peu d'un coup parce que encore une fois je connais ma carte, je sais où elle est. Je sais que je peux aller à 2025 là sans que ça crache. Donc maintenant, admettons que j'ai monté encore une fois et puis oh bah ça a crash. Bon, je sais que maintenant je suis à c'est combien? 2,25 GHz, enfin 2,025 GHz, et je sais que c'est ma fréquence plus ou moins maximale. Du coup, je peux plus monter la fréquence, c'est-à-dire je peux plus le monter là. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de baisser la tension sans baisser la fréquence. Baisser la tension sans baisser la fréquence, ça va me permettre de d'avoir une carte qui chauffe moins, c'est-à-dire que qui chauffe moins, et du coup, comme elle chauffe moins, elle va moins se descendre en fréquence. Parce que je sais pas si vous pouvez voir le petit réticule là, de temps en temps, il est sur un point. Quand il est sur un point, c'est qu'il est à ce point, mais de temps en temps, il va descendre en restant là, mais il va descendre sans aller sur ce point-là, mais il va descendre ici. Et ça voudra dire que c'est à cause des températures que la carte graphique, elle a baissé. C'est-à-dire que si je... Oh non, je peux pas trop le faire, c'est un peu pénible. Voilà, ça baisse, vous voyez, ça baisse à cause de la température. Ça peut baisser pour d'autres choses, ça peut baisser à cause de l'utilisation, etc. Mais globalement, si ça baisse sans passer au point précédent, c'est que ça a baissé à cause de la température. Et si vous voulez réduire la température, il faut réduire le voltage. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le point qui est juste à gauche là, et je vais le monter au même niveau que les autres, c'est-à-dire à 2026, peu importe. Et je vais appliquer. Et comme maintenant ça fait une ligne, comme j'ai dit tout à l'heure, l'algorithme va prendre le point le plus à gauche sur la ligne. Donc tout à l'heure j'étais à 1,043 volts, et là je suis à 1,037. Pareil, je regarde si ça crash. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir crash, super. J'attrape encore le point à gauche qui est à 1,031. Hop, je le monte au niveau des autres. J'applique. Ça s'est pas appliqué. Des fois, ça s'applique pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Des fois, il faut le faire deux fois de suite. Il faut insister un peu. Et puis, au bout de la deuxième ou de la troisième fois, il va y aller. Allez, viens ici. Viens ici. Ok. Bon, là, il m'a fallu trois fois pour l'appliquer. Peu importe. Et du coup là je peux voir que maintenant je suis à ce point-là, c'est-à-dire que je suis à 1,031 volts, donc j'ai encore baissé mes volts, ma tension elle n'a pas changé, elle est toujours. Ma tension, ma fréquence, pardon, elle n'a pas changé, je suis toujours à 2025. Et j'ai toujours pas crash. Ok, bon bah, continuons. Je prends le point encore d'avant. Hop, je le monte. Je l'applique. Il ne s'est pas appliqué, je le remets. C'est toujours pas appliqué, je le remets. Allez. Ok, j'ai dû le faire 4 fois pour qu'il s'applique. Bon, c'est un peu, peu importe. Il faut insister un peu. Bref, maintenant je vois avec mon réticule que je suis sur ce point-là, c'est-à-dire que je suis à 1,025 volts, donc j'ai encore baissé ma tension.
ma fréquence n'a pas bougé, je suis toujours à 2.025 et ça n'a toujours pas crash. Donc je continue à faire ça, etc. etc. Moi je connais ma carte, alors je vais en attraper un peu d'avance. Là je vais me mettre directement à 1 volt, hop. Allez. Ok, maintenant je suis à 1 volt, donc j'ai encore baissé ma tension, j'ai toujours pas baissé ma fréquence, etc. Vous continuez comme ça. Tant que ça crache pas, vous continuez. Au bout d'un moment, ça va crash. Alors, quand ça va crash, vous allez du coup redescendre ce point-là. Comme ça, vous allez pouvoir appliquer. Ça a tout redescendu. Des fois, ça fait des choses, ça se passe pas très bien. Vous remontez le point d'après, deux fois, trois fois. Honnêtement, cette courbe, ça marche pas très très bien. Il faut un peu insister. Peut-être qu'il faut tous les faire. D'accord. Allez, maintenant. Ok. Après s'être battu 10 minutes avec la courbe, bon, vous insistez un peu pour avoir la courbe que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous avez trouvé la tension qui est la plus basse, avec la fréquence qui est la plus haute, sans que ça crache sur là. C'est bon, vous pouvez fermer ce menu-là. Vous pouvez appliquer, sauvegarder sur le profil 1. Et puis ensuite, vous allez faire d'autres tests. C'est là que vous allez faire les autres tests sur d'autres applications, d'autres benchmarks, d'autres jeux, etc. Vous vérifiez la stabilité. Si c'est pas stable, honnêtement, ça sera probablement pas stable parce que Heaven, c'est pas un benchmark qui est particulièrement exigeant. Si c'est pas stable, bah, vous refaites pareil, vous reprenez cette valeur-là, vous la descendez un peu pour pouvoir utiliser cette valeur-là. Hop, là, vous mettez un coup d'appliqué. Sauvegardez, vous refaites vos tests, etc., etc., etc. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, là, ça sera écrit curve, c'est très bien, c'est ça qu'on veut. Et ça veut dire que ça va utiliser cette courbe-là, qui globalement va vous permettre sur les cartes relativement récentes, en tout cas, ça va vous permettre d'avoir un overclock qui sera globalement pas forcément plus performant directement, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément pouvoir mettre plus de tension, plus de fréquence, pardon, que ce que vous auriez pu mettre en mettant, par exemple là, au lieu de mettre cœur, j'aurais pu mettre 80 directement. Mettez pas 80, je mets 80 parce que je connais ma carte, mais allez-y de 10 en 10. J'aurais pu faire ça et ma fréquence, elle aurait été globalement la même. Sauf que le problème de faire ça, c'est que je suis à 1.037 volts. Alors que en le faisant avec la courbe, qui s'est reset, nickel, je peux avoir la même fréquence. Hop. Je peux avoir la même fréquence à 1 volt. Et la même fréquence à 1 volt, ça va me permettre de beaucoup moins chauffer. Et du coup, en chauffant moins, j'aurai pas comment ça s'appelle? J'aurai pas l'algorithme de boost qui va réduire sa fréquence parce que justement la température est plus haute. C'est-à-dire que là, je suis avec mon truc de fréquence, je suis à 2,04 GHz et en mettant 80 offset là, comme ma carte graphique est là à 60 degrés. Je perds quand même quasiment 100 MHz. Est-ce que c'est très important? Non, pas forcément. Mais 100 MHz sur une carte graphique, c'est quand même non négligeable. Et ça peut. Bon, c'est de l'overclock, quoi. Voilà. Hein. Vous en faites ce que vous voulez, c'est de l'overclock, c'est marrant. Alors qu'avec la courbe, du coup, là, je suis à 2.04, je suis à 1 volt, je consomme moins. C'est mieux. Voilà.